1, 2, 3, 1, 2, essai de son, 1, 2, c'est bon. Samedi 30 mars 2013, bienvenue au stade Guy Segondi où a démarré pour cette journée la quatrième édition du tournoi des Costières organisé par le Sporting Club de Manduel. Les équipes qui sont en présence devant nous, bien c'est en rouge les Savoyards de Chambéry et puis l'équipe de l'US Pélican 2 en foncé. Pélican, c'est une équipe qui vient des Bouches-du-Rhône, donc derby français, puisqu'il faut préciser que cette année il y a 6 équipes étrangères qui représentent donc 4 nations, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Belgique et la Roumanie. Donc tournoi pour les moins de 11 ans, je vous rappelle. Et donc démarrage de cette journée sous de bonnes augures du côté du ciel, mais c'est vrai que les quelques jours derniers ont été particulièrement pluvieux et cela n'arrange pas l'état du terrain. On le voit d'ailleurs, le rond-point central est largement boueux. Voilà donc les rouges mènent l'offensive. On a vu de belles petites choses jusqu'à présent, puisque 4 matchs se sont déjà déroulés sous nos yeux. Et là, eh bien voilà, c'est la suite, sachant qu'on est pour tous samedi dans les matchs de poule et que les finales et les tournois secondaires auront lieu pour la journée du dimanche, donc de demain. Des petits bobos là, quand même, les Belges s'engagent. Hein. Ils étaient inquiets hier de savoir s'il pleuvait, s'ils joueraient. Et comme quoi, on leur a dit oui, de toute façon, même sous la pluie, nous jouerons. Mais quand même, c'est un peu plus confortable dans les conditions météo actuelles. Et il ne fait pas très chaud, ce qui fait que quand même les gamins ne souffriront pas de chaleur. Et il ne pleut pas, donc pas trop d'humidité, pas trop d'inconvénients pour ce samedi 30 mars à 10 secondes. Inutile de vous dire la qualité du travail déployé par l'équipe de bénévoles qui entoure le président Patrick Plongé, parce que vraiment, vraiment, la mise en œuvre de toute cette structure et le déroulé de l'organisation, c'est vrai que l'équipe est rompue au service, mais enfin quand même. Quand même, chaque année, il faut renouveler un petit miracle, et c'est ce qui se passe encore pour 2013. Et tous ces gamins qui peuvent se donner à leur joie et pratiquer le sport qu'ils aiment bien, le football. Donc, tentative pour l'instant, toujours un score de parité nul d'ailleurs, 0-0. Et le match dure 10 minutes, je vous rappelle, on ne change pas de côté pour la phase de poule. Et on verra ce qui va se passer après, oui, pour les matchs de finale, tout ça, à partir des 8e de finale, 16e de finale. Je pense que là, c'est demi-temps, c'est pour les quarts de finale, je ne sais plus. Je vous dis que pour l'instant, on fait le choix du terrain, on y reste pendant les 10 minutes de rencontre. Chambéry. Progression des rouges, mais qui est interrompue prématurément. On cherche un peu son jeu là, c'est pas tout à fait ça. Oui, bien joué. Bien vu. On a dû lui parler en numéro 4 rouge parce qu'il a failli se faire surprendre. Il a évité le pire. Un petit peu devant sur Guy Segondi et Manduel aujourd'hui, mais bon, rien de bien grave. 16 équipes aussi composent, 16 équipes du comité du Gard sont présentes aujourd'hui. Et puis pas mal d'équipes professionnelles avec Nîmes Olympique, Marseille, Istres, Avignon. Pas mal de représentations d'équipes dont les clubs abritent et hébergent une équipe professionnelle. Là de nouveau, le rouge en attaque, évidemment bordure du terrain. On est un petit peu gêné par la présence des entraîneurs, mais c'est normal, hein. On peut pas faire autrement. Donc, les entraîneurs du Coro Daniel vont demander où se mettre le mieux pour vous, si vous avez le moyen, ils ont eu cette délicatesse, mais c'est vrai que c'est pas possible de toute façon. Et l'essentiel, c'est de pouvoir regarder ce qui se passe vers les buts.
Voilà, où le ballon vient de rentrer, il vient de coucher le filet pour Chambéry, pour le Savoyard qui mène 1-0 devant US Pélican 2. Ah oui, la présence c'est de jeunes filles, voilà. Il y a l'équipe de Nîmes Métropole aussi qui est présente, l'équipe féminine de Nîmes Métropole qui sera là aujourd'hui. Et puis beaucoup d'équipes sont là pour la troisième année consécutive, comme Belouizdad, l'Algérien. Les Marocains sont venus cette année. Les Marocains présentent deux équipes. Ils ont pu se déplacer. Les Roumains sont arrivés très tard hier soir. Ils ont été un petit peu gênés en circulation. Mais ils sont là aujourd'hui et les Belges sont arrivés hier soir assez tôt. Donc voilà, tous ces domaines vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Chambry, non, ça sera évité pour l'équipe de Pélican qui a réussi à écarter le danger, mais il y a un coup franc pour le rouge. Donc Chambéry à la relance. Et la pression s'installe à nouveau dans les cages du Coureau Daniel. Attention, direct. Oh, c'est bien joué, ça. Très bien joué, mais belle prestation du gardien là, qui dévisse le ballon. Alors, il y aura un corner pour le rouge, mais en fait, pour l'instant, on s'est mis à l'abri. Attention, le danger est éliminé. La retrait. Si vous voulez trouver, merci. Je vais vous faire le jeu. Il y a beaucoup de belles choses quand même, là, dangereux. Dangereux pour Pélican. Il se dégage. Peut-être qu'il arrive à se dégager. Non, il est repris par le rouge. Bonne bagarre là, des joueurs. C'était joli, il en fait, mais là ça sera tout franc pour les Noirs. Donc Pélican va pouvoir se dégager un peu et peut-être tirer à la conquête des buts. Oula oui, ça va y aller. Il lance le tir, 20 tours pour le terrain numéro 2. Bien joué. Et le rouge très rapide, très rapide. Et bien joué, cette belle reprise de balle pour le noir, mais hélas, sans suite. Toujours dangereux. En tant que Nîmes Métropole est annoncé, donc on le verra sur le terrain numéro 1, de toute façon, on le verra la journée. Bien joué, mais belle prise de balle par le gardien. Et sur l'aile gauche là-bas, ça déroule pour le rouge. Non, ça fait peut-être un coup franc. Un corner, pardon. Non, même pas. A priori, c'est une sortie de but. Pour Chambéry. Le rouge encore le temps, là les matchs sont rapides. Hein. C'est vrai que l'équipe qui marque les premiers a une grande chance de s'imposer au final. Le centre, vous voyez, il est boueux. C'est vrai que les pieds ont fait des dégâts. Ça ne va pas ranger la pelouse, c'est vrai. Néanmoins, les matchs déroulent quand même dans de meilleures conditions que ce qui était annoncé. Bien joué. Bonne conservation du ballon par Chambéry. En retrait, hein, dommage. Interception. Dommage pour Chambéry, mais tant mieux pour Pélican. Le ballon reste rouge pour l'instant. Attention, on se rapproche des buts. Non. Et le gardien est quand même pas mal sollicité du côté de Pélican 2. Et demandé de toute urgence à la table de barre. On se précipite, hein, beau duel. L'avantage de Chambéry. Thank you.
le pied se lève un peu, oui. Je pense que c'est ce qui est sanctionné par l'arbitre. Le pied levé du 4 rouge. Et voilà donc, match terminé 1-0. On va peut-être procéder au délai de jeu. C'est terminé, voilà donc. Victoire donc de Chambéry 1-0 sur Espéli Camp 2.